Eh ben, bonjour à tout le monde. Bienvenue à nouveau sur notre plateau de C'est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, on a euh, le témoignage euh, de Valérie qui est avec nous. Donc bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et ça va être un plaisir de partager avec toi. Je connais un petit peu aussi ton histoire et je sais que c'est une histoire qui va parler à beaucoup. Donc euh, qu'est-ce qui t'est arrivé C'est arrivé comme ça Et on a ah hâte ouais. de savoir comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment tu es arrivé là aujourd'hui et... Qui t'amène même à avoir le courage de témoigner aujourd'hui Alors bah c'est une longue histoire hein, de, de petite parce que voilà j'ai ouais. toujours eu une quête spirituelle. Mmh. Euh, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui qu y avait autre chose, qu'il y avait une vérité et, euh, et j'étais, euh, je voyais ce qui se passait dans le monde et ça me peinait énormément mmh. parce que je trouvais que c'était pas normal que que des gens mouraient de faim et d'autres... Oui. En... Enfin, depuis toute petite, c'est des questions existentielles comme ça qui tournaient mmh. dans ma tête. Donc, j'ai toujours eu cette quête de, de recherche spirituelle, mmh. euh, à me poser des questions, vraiment, euh, même enfant. Mmh. Et puis, euh, j'ai intégré un mouvement bouddhisme. J'étais okay. euh, très jeune, puisque je devais avoir euh, à peu près 16 ans. Donc euh, ouais. assez jeune, j'ai cherché ouais, une ouais. quête spirituelle. Ouais, donc ça veut dire ouais, c'était déjà profond toi cette recherche ah, oui, 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 oui. pour euh, 16 ans. Donc euh, j'ai pratiqué, c'était d'avoir euh, des langues, des longues prières, euh, euh, des mots comme ça qui étaient dits en chinois, japonais, enfin voilà. Ok. Et puis euh, ça, c'est vrai que ça m'a apporté spirituellement quand même des réponses, des choses, mais il mm -hmm. euh, y a des choses qui me dérangeaient. Puis les gens qui m'entouraient. Euh, euh, en dehors de ça, je voyais qu'ils ne qu changeaient pas spécialement. Hein, et et euh, je, sentais, je sentais cette vérité que ce n'était pas ça. Donc je suis mm -hmm. sortie de ça. Mm -hmm. Et puis aussi, j'ai eu un parcours de vie avec mes parents. J'ai perdu mes parents très jeunes. Mm -hmm. euh, ma maman, j'avais 17 ans. Mon papa, j'avais 20 ans. Okay. Et euh, donc j'ai essayé de comprendre euh, la vie après la mort. J'ai commencé Et à lire oui. les livres de Mundi, euh, la vie après la mort, toutes ces choses, mm -hmm. toutes ces recherches. Et j'ai commencé à, à pratiquer le spiritisme. Mm. Voilà. Okay. Et je parlais avec les morts. Ok. Euh, on a fait des, des expériences assez poussées, assez loin, quasiment mm -hmm. assez loin, mm -hmm. puisqu'on a en donné nos cordes vocales. Mm -hmm. bon, à à l'époque, on pensait que c'était à, à des morts. À des morts. Mm -hmm. D'accord. Mais euh, j'avais une quête de lecture. Et puis euh, j'avais des expériences euh, dans le spirituel, mmh. mais vraiment euh, j'ai eu des, des expériences, pas des expériences super mauvaises, euh, mais j'ai eu des expériences. Je Au savais au-delà du naturel, en tout cas. Ouais, convaincu que de toute façon le spirituel, j'étais j'ai très proche de, du spirituel. Mmh. Mais euh, ce qui me, on va dire, ce qui m'a sauvé entre parenthèses, c'est que j'ai toujours cru en Dieu. D'accord. Malgré que j'étais dans le bouddhisme, malgré mm -hmm. que j'ai fait tout ça, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mm -hmm. Il y avait un créateur. Un créateur. Pour mm -hmm. moi, c'était euh, voilà. une évidence. Une évidence. Euh. Après, euh, avec les années, j'ai laissé, laissé tomber tout ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une, un, une vie à peu près normale. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a à peu près cinq ans, il y a une fille qui avait perdu son, son papa qui est revenue vers moi en me disant Toi, tu parlais avec, tu parlais avec les morts, mm -hmm. aide-moi. Mm -hmm. Je dis, mais moi, j'ai laissé tomber ça. Mmh. Je... Et puis, comme j'ai le cœur quand même à aider les gens, euh, je lui dis, bah, écoute, je veux voir ce que je peux faire. Et donc, j'ai recommencé à chercher, à aller à des conférences. Mmh. J'ai recommencé. Et puis, euh, puis j'ai découvert euh, les fra la franc-maçonnerie, Nouvel Ordre Mondial, mmh. euh, ce qui se tramait. Et là, la, la, la vérité ma, m'a... Un peu par, par le démon, ce qui faisait la vérité... Euh, m'est apparu. Mm -hmm. Et je me suis dit mais mais le diable il existe vraiment mais il faut que je sorte de là. Il mm -hmm. faut que je trouve et j'étais vraiment ça m'a vraiment perturbé et je connaissais aucun aucun chrétien. Mm -hmm. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi à internet, j'ai commencé à regarder des témoignages, faire des recherches. Faire des et, et comme Christ, Christ j'ai toujours cru en Christ parce que j'ai fait du catéchisme. J'ai toujours été okay. croyante petite mm -hmm. et, et ça a été une évidence pour moi, mm -hmm. Christ. Et, et ça s'est fait. J'ai donné ma vie à Christ dans ma chambre toute seule, mm -hmm. sans, sans connaître rien. Mais je savais que, que c'était la voie. C'était lui, la vérité. Et euh, maintenant, je suis plus que convaincue que Jésus, c'est la vérité mmh. et que ce n'est pas une religion, mais mmh. c'est vraiment lui qui nous amène au Père et qui vrai. nous amène au salut. C'est mon sauveur. Mmh. Et euh, je veux partager ça et que le Saint-Esprit me guide. Je veux servir Dieu aujourd'hui. Mmh. Euh, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ et mmh. euh, je veux qu'il m'emploie puissamment. Mmh. Voilà. Mmh. Waouh. eh ben, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup pour ton témoignage, tout un parcours. Mm. et euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui, euh, parce que tu, tu, as, tu, tu as mentionné quelques-unes, mais je sais que tu as, tu as essayé ou tu as, tu as vécu pas mal de choses en, dans ta recherche spirituelle. Mm et sans, sans savoir, et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui, qui, qui tâtonne aussi, ou qui cherche sa voie, ou qui peut-être s'est installé un peu, mais qui a quand même des doutes dans là où il est spirituellement, dans telle ou telle chose. Et des fois, certaines choses même peuvent être dangereuses, sans qu'on le sache. Oh, tout à fait. Donc, quel, quel conseil tu pourrais donner, et quelle quel plus-value on pourrait dire, qu'est-ce que tu as trouvé en crise que tu n'avais pas trouvé jusque-là euh... En fait, tout, toutes ces sciences, un, un petit peu euh, parallèles, on va dire, ouais. à c'est, euh, il y a beaucoup d'égo, en fait. Okay. On, on veut se faire soi-même guérisseur. Mmh. Et même dans le bouddhisme, on disait, ah, si si t'arrives ça, c'est parce que c'était vie antérieure. Mais quand tu, tu y repenses, tu dis, mais... Euh, tu dois t'améliorer dans tes vies, c'est ce qu'ils disent, t'améliorer. Mais la vie, elle est de plus en plus… On voit ce qui se passe sur Terre. Il n'y mmh. a pas de logique, en fait. Mmh. Et puis, euh, il y a beaucoup d'ego qui ressort ouais. parce qu'on impose les mains, tout ça, on est gré à ta vue, c'est moi… Ma... Voilà. Ça tourne autour de soi. Quoi. Ça tourne autour de soi. Mmh. Et, euh, et avec risque voilà ce que j'ai découvert et euh, ce qui m'a fait un long chemin et que je travaille encore, c'est retrouver cette humilité et que par nous-mêmes, euh, vraiment, on ne peut rien faire. Et que je demande tous les jours l'humilité, l'ego, parce que c'est tous ces esprits qui, qui étaient en moi. Et ça, voilà, je crois qu'il faut tout remettre à Dieu. Et, mmh. et euh, voilà, moi, je ne veux rien faire par moi-même. Et mmh. j'ai dit, Seigneur, toujours dans l'humilité et, et, et euh, certains de moi. être dépendant de lui. Voilà. Ouais, je veux être et... dépendant de lui, chose que, qui n'existe pas dans les autres. Bah, Ce n'est pas une spiritualité qui flatte l'ego et qui te non. rend quelqu'un puissant. L'évangile au contraire te rend humble ça. parce que c'est Christ en toi, c'est lui le centre finalement. Et je savais que profondément c'est cette vérité qui me manquait, mm -hmm. que je trouvais pas et que j'ai retrouvais en Christ. Okay. C'est important. Voilà. Cette humilité très, très et, très important. et que ben, on n'est rien, on est que deux passages, c'est un souffle. Mm -hmm. Et que les gens ils comprennent que quand tu vas aller devant, euh, devant le Créateur, mm -hmm. qu'est-ce que tu as fait de ta vie mm -hmm. Qu'est-ce que tu m'emmènes mm -hmm. Quel fruit tu m'emmènes mm -hmm. Absolument. Et c'est que l'amour qu'on qu emmène en, en fin de compte. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous ont suivis aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très bientôt.